Salut, salut! Donc là, ce qui va se passer, je voulais tourner une vidéo, mais il me reste 20 minutes. J'ai tourné une vidéo, la première de l'année 2019. Une petite vidéo sur le fait que je fasse mon vide dressing. Et là, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre des articles sur Vinted, bien sûr. C'est ça. Et du coup. Non, mais je peux fumer plafond, hein, c'est bien aussi. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. En fait, c'est un style de vidéo que je voulais vous faire. C'est papoter avec vous sur un sujet en particulier, mais sans le préparer. Mais c'est tellement brouillon. J'ai filmé 6 fois, hein, 6 fois une vidéo, du coup, sur je ne sais même plus quel sujet. Mais le fait que ça soit pas préparé, j'ai l'impression que c'est tout brouillon et que c'est nul, quoi. Mais en même temps, moi j'aime bien voir les filles qui parlent d'un sujet en particulier qui leur vient, qui leur passe par la tête. Et il faut que j'arrête de faire cet accent du sud. Et en plus, voilà quoi. Je veux dire. Oh, il flotte. Quel beau temps! Attends, je voulais faire une photo pour la miniature. Mince, du coup, j'ai pas fait de photo pour l'autre miniature. Zut! Bon ben, c'est pas grave, je mettrai une autre photo. Ça y est, j'ai récupéré mon fils à l'école. Mais j'ai oublié la carte grise. Bah oui, mais je vous ai pas dit, il faut que j'aille au garage parce que ma voiture elle décolle. Et j'ai oublié la carte grise à la maison, donc je retourne à la maison. Ça y est, j'ai laissé la voiture au garage. Donc là on va chercher, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. On va chercher Jessie au gymnase et on va à la cryo, je vous montrerai. Donc voilà le gymnase dans lequel il joue. Là on voit juste une partie. Mais c'est une super belle salle. Ah, pas envie. Petit zoom sur les chaussures. Magnifique. Il est 10h. J'ai couché le petit. Je suis fatiguée. J'ai surtout trop mangé et puis je regrette comme d'habitude. Est-ce que vous aussi vous regrettez quand vous mangez un truc super lourd alors que... Ah, t'as soif. Je vais te mettre de l'eau. Hier déjà j'ai fait un écart. Donc aujourd'hui je me suis rattrapée, j'ai fait une grosse séance de sport. J'ai bien mangé. Et là, on avait tellement faim qu'on est allé manger des sushis. Et du coup je suis en train de me dire que ça y est, tout est gâché. Enfin bon. C'est toujours comme ça, hein. Je pense que vous êtes pareil. Donc là je vais faire un thé, on va regarder une série et puis on va se coucher. Est-ce que vous aussi quand vous mangez des sushis vous avez super soif après? J'ai super soif après quand je mange des sushis. Demain c'est le week-end, c'est trop bien. Tu vas continuer quand je parlais? Hein? T'as dit quoi? Non, non, je suis même pas quand tu parlais. Là, j'essaie de pas filmer ta main gauche.
Alors moi je bois celui-ci ou le thé vert Earl Grey du magasin bio. Et ça c'est grande surface. Et Jessie, il boit ce cash, c'est toujours un plaisir. Il boit du rooibos. Donc c'est sans théine. Et voilà, donc Jessie il évite la théine. Et il aime le rooibos, donc grand bien lui fasse, moi je n'aime pas ça. Allez, sois tranquille. Donc après le craquage de dos, je marche sur le dos pour lui craquer le dos. Petite séance de yoga, comme d'habitude. Oula. Et moi je vais aller sur Aromazone un petit peu. Et il m'a mis un truc à la télé là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? C'est des fous furieux. Ou folles furieuses plutôt. Que bitch! Ah, je te jure. On va vite changer ça. Hein. Merci pour l'exercice de respiration que tu viens de faire.